Et tac, Metrodulus, un des meilleurs PS toutes les sens confondues. Par contre, il y a un petit souci, je n'ai pas. Pourquoi il n'y a pas la caméra? Attends, je vais dans les paramètres. Ça va être dans les paramètres. Comment ça se fait que je n'ai pas la caméra sur... Option, allumer la caméra. Peut-être là. Putain, c'est la PS5, c'est vraiment compliqué. Je vais juste regarder si c'est une caméra qui a branché. Allumer la caméra. Ah, mais d'accord, mais je pense. Oui, d'accord. Moi, je vais la mettre là, ouais. Est-ce qu'elle est mise là? Bon, on est pas bon. Ça a l'air bon. Ok. Par contre, voilà. Oh putain. Par contre, il y a un petit problème, c'est que. Il y a un petit problème, c'est que la résolution n'est pas celle que je voulais. Déplacer l'affichage de la caméra. Mais non, mais ça, je m'en fous, moi. Ce que je veux, c'est. Qu'elle soit carrée, changer la résolution. Non, parce que là on voit tout. Putain, c'est casse-couille quoi. Putain, c'est trop bon son, je te jure. Il doit y avoir un paramètre. Putain, je comprends rien cette console. Putain, pourquoi ils ont changé tout le système de menu? Putain, sur PS4 c'était parfaitement clair. Et là, ils ont tout changé. Putain. Non, mais ça, on s'en fout, ça. Enfin, demander ça. Putain. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est changer la résolution. Enfin, faire comme avec la PS4, demander si c'est un carré, un rectangle. Y a rien. Putain, y'a rien. Capture et diffusion. Caméra. Ah voilà. Taille petite, ouais. Afficher la caméra, ouais. Effet. Non, mais les effets sont sans branle. Recentrer sur votre visage. Ouais, c'est pas encore ça. Hein. Cela, on voit encore. Ah, découpage carré. Ah, impeccable. Découpage circulaire, hexagonal. Touche auto. Non, ça c'est de la merde. Incrustation couleur. Non. Ah, découpage carré, c'est très bien. Attends une petite seconde, c'est bientôt. Je pensais pas avoir autant de trucs à faire. C'est pas au point. Ah, j'avoue que je suis pas au point niveau caméra. Je suis pas au point du tout.
Alors, du coup, je vais revenir dessus. Capture diffusion. Caméra. Hop là. Ouais, là, on est pas mal. Allez, on est reparti. Par contre, il y a moyen de changer légèrement. Alors, oui. Non. Ah, c'est parce que je suis pas sûr. Là. Comment on est? Ah, ça. C'est de la merde, c'est de la merde cette caméra. C'est de la grosse merde. Putain, et que ça coûte cette merde. Et au final, elle fait. Putain, elle fait même pas son taf. C'est une putain d'arnaque encore là. Ah, casse les couilles. C'est bien la peine au final de te demander ce que tu veux comme type de la taille de la caméra si au final. Putain, ah, ça me gave là. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne veut pas se mettre? Non, ça va pas. Ça va pas, ça me fout. Si je l'éteins, que je la rallume. Je crois que je vais éteindre la caméra, ça sert à rien hein, finalement. Je mets la petite tête encore, donc on va à peine ma tête. Je l'agrandis, ça la coupe. Donc, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais Sony, il va falloir qu'ils se sortent les doigts du cul à un moment donné parce que ça peut plus durer leur connerie là. Ça peut plus durer là. Qu'ils se fassent racheter par Microsoft, allez, et puis c'est bon là, ça va nous casser les couilles là. Putain. Là, dans les paramètres, c'est impeccable. Alors quand je mets sur le jeu, ça a plus. Je comprends pas. Je ne comprends pas, c'est. Je sais pas quoi faire, honnêtement, je sais pas. Je crois que je vais l'éteindre parce que elle me servira pas. Ben non, c'est ça va pas, c'est de la merde.
son de capture. Résolution de l'enregistrement manuel. Comme ça, on s'en fout. Ça me saoule. Incrustation, c'est quoi ça? Afficher l'activité. Putain, petit, on va pas me voir. Ça va être ça, ça sert à rien. C'est putain, c'est lamentable. Lamentable. Et en plus, je suis même pas au bord de l'écran. Je suis même pas au bord de l'écran. Non, mais c'est vraiment des gros bras en bouche. C'est vraiment des gros bras. Je vais mettre comme ça. Putain, je pensais pas passer autant de temps dans les paramètres là. Putain, moi je pensais commencer tranquille le jeu. Il fallait bien qu'il me casse un truc qui me casse les couilles. Je te jure. Bon là, on va laisser comme ça, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Option. Le son, je sais pas. Je sais pas encore. Traduction des panneaux. Oui, ce serait quand même bien. Ça, je compte toujours en vert. Disposition prédéfinie. Dans le menu de sélection de disposition. Le menu de sélection est à dis. Putain, merci. À disposition des touches, vous pouvez sélectionner une disposition prédéfinie pour votre manette. Je pense que c'est les touches comme dans les autres. Non, pas exactement. Pas exactement. Parce que L1 et carré, c'était mettre le masque à gaz. L1 et croix, c'était changer de filtre. L1 plus triangle, c'était la lampe. Il y a quelques trucs qui changent. Spécial maintenir le trait recharger carré.
passé dans le secondaire, démonter là. Cette action ne peut pas être affectée à cette touche. Comment ça? Pourquoi? Je vais mettre sur disposition prédéfinie, puis on fera comme ça, c'est tout. Ça sera. Ça ne va pas poser de problème perso, donc sinon je m'en souviens. Le gamma. L'image appuyée à gauche soit à peine visible. Ouais, elle est à peine visible. Flou de mouvement. Élevé, normal. Champ de vision. Par contre. Accessibilité. Fond des sous-titres. T'as les sous-titres. Mode QTE. Appuyez vite. Maintenir. Appuyez. Appuyez tout simplement. J'ai pas envie de maltraiter la manette. Ça c'est bien qu'ils mettent ce genre de paramètres. Ok, je crois qu'on a tout vu. Ouais. Bon d'accord. Créer partie. Alors, recommandé pour les joueurs réputés, le jeu de tir en vue subjective. Il faudra surveiller avec attention vos munitions et vos filtres et approcher chaque scénario de combat avec extrême prudence. Ça c'est maintenant le. Ça c'est quoi le dressy? Ça s'adresse aux joueurs encore qu'on peut réparer au défi de l'univers de Mitro et qui souhaite avant tout profiter de l'histoire et de l'ambiance du village entouré par Vitium et ses compagnons. À ce niveau de difficulté, les combats sont simplifiés et les ressources indispensables telles que les munitions se trouvent facilement. Ranger difficile et pas d'ATH, c'est ça? Augmente la difficulté en supprimant le réticule de visée en limitant de manière générale l'affichage de l'ATH et des réserves de munitions du joueur. En augmentant la difficulté des combats et en rendant les ennemis plus perspicaces. En plus, les armes se dégradent pour éviter les attaques pour les réparations. Ah, j'hésite rien que pour la TH déjà. J'hésite à être actif avec difficile. Difficile pour moi, je suis difficile. Il n'y a pas d'ATH du tout. On va prendre difficile. Je pense que ça sera bon. Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents. Que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait. Et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer.
Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Drôlement longue quand même l'introduction. Elle était drôlement longue. Là, il a pris du champ. T'as vu comment ça réagit quand on te gère là? Oh, bon. T'as un manier là parce que là, y a pas d'air là. C'est quoi le briquet? Le briquet, c'est le kit. Putain, ils ont tout changé. C'est cool parce que c'est intuitif. Avec la slide 2033, là, c'est intuitif les touches. Bon, là, ça peut l'être aussi, mais putain. Faut tout se remachiner. Déjà, enlève ton masque déjà. Tu peux respirer. Si t'as plus de masque, tu peux plus sortir. Donc. C'est la merde.
gens qui sont morts. On va monter. Non. Sensibilité, ça va. Sensibilité de visée, bon, ça devrait aller. Au pire, je la remonterai un petit peu aussi. C'est quoi, c'est des pièces? Ah ouais, c'est pour mettre un chargeur. C'est le funestus, ça, hein, parce que normalement le funestus, normalement c'est un barillet avec 6 cartouches. Là c'est 3 cartouches. Je me rappelais pas de ça. Fallait mieux que je mette en mode normal, parce que pas de mode ranger, parce qu'après le truc c'est que quand tu... Le mode ranger c'est bien quand tu le connais, genre quand tu sais tel ou tel truc sont disposés à, ramasser, à être ramassés quoi. Parce que sinon tu as plein de trucs parce qu'elle t'affiche rien. Les rats, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit des... que ce soit les rats. J'ai quand même un doute. Hein. Je pense qu'on n'est pas tout seul surtout. Et je parle pas de monstres. Normalement. Normalement. Des panneaux, ouais. Ah voilà, panneau station abandonnée, d'accord, ça marche comme ça. Bien sèche les poils. Ah, ça tombe bien. Il y a un cadavre tout. Ça, ça nous haïsse. Vu la tête, je dirais que c'est. Toujours vérifier les cadavres. J'espère en tout cas que c'est assez fort le jeu. Et qu'on entend quand même la voix, mais au pire de son, on verra la prochaine fois. C'est pas... Il y a de la musique. Ah, c'est quoi? Nouvelle note. Carnet déchiré. 11 août. Nous y sommes. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a que quelques rares. Les gars déchargent le chariot. Le 12 août. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux, oui, pour couvrir les anciens barrages. Colia est parti chercher d'autres volontaires, mais pour l'instant, on va se contenter de couvrir la plateforme et la SAS. Miralich risque de mettre un bon moment à réparer. Le mécanisme est complètement coincé par la rouille. 13 août. On a abattu des hurleurs, ces enfoirés sont entrés sans qu'on les remarque sous les marches, ils sont futés. Le module de SAS est mort, Miralich dit qu'il ne peut rien promettre. On commence à manquer de filtres, il va falloir improviser. Je crois qu'on va condamner la porte en soudant une tôle dessus, et on verra plus tard. 14 août. Les hurleurs ont l'air nombreux là-bas. Ils n'ont pas encore attaqué, mais Colia a apporté le poste à souder, mais impossible de se mettre au travail.
Au moindre bruit, ils se mettent à hurler. On a décidé d'installer quelques pièges pour commencer. Marc, c'est peut-être Mikhalitch. Mikhalitch ou Mikhalitch? Bon, je pense que c'est Mikhalitch. Moi, je dirais Mikhalitch à partir de maintenant. Si, je dois revoir le nom. Mais quelque chose me dit que non. Ah, je suis déjà à fond. Oh, mais laisse-moi les ramasser quand même, merde. Oh putain. Laisse-moi les ramasser. Ça me fera utiliser les cartouches. Impeccable. J'entends dire là au loin. Ah, Mikhalitch. Nous survivrons. Par contre, ouais, je vais peut-être augmenter la sensibilité. Accessibilité. Non. Ça doit être là. Sensibilité, où c'est marqué. Ah, c'est à fond déjà. Ah, merde, c'est déjà à fond. Histoire de pouvoir se retourner rapidement si un truc qui... Parce que ça va être souvent ça, des ennemis qui vont nous arriver dessus. Qui vont nous arriver dessus par derrière, ça va être souvent. Ça va être très souvent. Enfin, en tout cas, dans 2033 et Last Light, je me rappelle très bien que c'était le cas. Après Exodus, j'ai juste fait une fois Exodus. Je sais plus exactement, mais... Putain, il y a un truc par contre, je n'ai pas remarqué, j'avais pas remarqué. Et maintenant, c'est pas la même chose. J'ai cru que c'était la deuxième montre qu'il avait sur lui, mais non, c'est le compteur GGR, ça, ce qu'il a sur... avec les couleurs vert, jaune et rouge. Non, ça, je croyais que c'était sa montre qu'il avait dans 2033, mais non, c'est pas ça, c'est une montre. Et Coco Crux? Comment qu'il va Crux? En tout cas, j'espère que le son est assez fort, que ce soit le jeu, le micro, enfin, voilà, ça soit nickel. Au pire, voilà, de moi-même. Ça, déjà, il a fallu que je monte vachement le son du casque parce que on n'entendait rien. J'entendais que dalle. Alors, sur PS4, ça va, mais sur PS5. Caméra de merde, déjà, là, j'hésite à l'enlever, honnêtement. Parce que franchement. Ça se part la caméra, elle est vraiment merdique.
je crois qu'on a tout regardé. Hein. Le sac à dos. Voilà, récupère les cartouches. C'est le plus important. Attends, c'est bon, il est trop bien activé. Ouais. Putain, tu vas arriver à monter, ouais. Ça venait d'où? Ça venait de là. Oh, si je pouvais l'amener, ça. C'est quoi ça? On dirait MG42, ça, non? On remarque que le canon est bien long pour être MG42, mais putain, ça t'envoie du. Ça va de quoi ça? Ça va être du calibre 50, je sais pas trop plus en tout cas, tu dois bien le sentir quand ça t'arrive sur la gueule. Tu dois bien le sentir. Ça doit chatouiller un peu, gamin. Randonnée tranquille, voilà, on bute 2-3 hurlements. J'ai dû regarder s'il n'y avait pas un paramètre pour le micro. Parce que peut-être qu'il n'est pas à fond. Thank you.
crois par contre il n'y a pas les sombres cette fois. Ils en parlent plus des sombres. Il me semble. C'est pas vrai. Il va recommencer. Juste vérifier un truc sur les paramètres. Juste voir s'il n'y a pas un paramètre de micro avec un volume. Microphone. Là peut-être. Ah là j'ai mis à fond. Là ça devrait être bon. Non. Par contre ouais, peut-être pas à fond. Effectivement, le micro était très très bas. Donc là, je t'avais parlé en chuchotant, à mon avis, depuis tout à l'heure. Donc ça va faire presque 1 heure que je suis dessus. En tout cas, j'espère que le jeu est assez fort, en tout cas. Là là. Que ça souffle, hein? Hein? Fais gaffe, hein, fais gaffe, hein. Parce que moi je sais où t'habites. Hein. Je sais où t'habites, mec. Hein. Tiens, pour la peine, voilà. C'est pas Versailles ici. Alors, une nouvelle note. Dossier du patient. Du patient. Artyom Chorny. Chorny. Enfin, Artyom, quoi. Date de naissance 31 mars 2009. Groupe sanguin AB. Rhésus positif. Admis le sérieusement, c'est la troisième fois. Diagnostic rechute du syndrome d'irradiation, forme légère, dose approximative, je sais pas trop quoi. Pronostic favorable. Traitement, transfusion sanguine, évaluateur de potassium, repos au lit, pas d'accès à la surface pendant au moins un an. Qu'est-ce que tu racontes, Crux? Et voilà. C'est pas Versailles ici. Comment je fais péter l'ambiance, quoi.
en 2034. Et celui-là, il ressemble pas à la version que j'ai. Je pense que c'est bon. Avoir la picole. Une semaine plus tard, putain, c'est une sacrée cuite, dis donc.
Est-ce qu'on a quelque chose à part ici? Voilà, c'est chargé. Il y aura des trucs à ramasser. J'ai dû faire fuir un démon. Il prenait un peu trop ses aises. Nouvelle note. Journal poussiéreux. 6 juillet 2013. Trop tard. Shura est partie acheter à manger. J'allais faire rouler le fauteuil jusqu'au balcon pour prendre l'air quand la défense civile a donné l'alerte. Plein de monde dehors, les gens courent dans toutes les directions. J'ai vu passer des missiles. Cette lumière, c'était aveuglant même avec les rideaux tirés. Je vois encore des points verts. J'espère que Shura a pu atteindre le métro. Je croyais que c'était fini, mais on dirait qu'il me reste un peu de temps. Il fait nuit et les rues sont vides et calmes, on entend juste des sirènes un peu partout. Et il y a ce brouillard vert qui recouvre tout. Il est fluorescent. À moins que ça vienne de mes yeux. Le téléphone est en panne, la radio aussi. Shura, Shura, mon cœur. J'espère que tu n'as rien. Je ne me sens pas bien, si faible. Adieu, Shura. Là. Ouais, surtout que à la calache c'est bien pour les humains ça. Les bestioles c'est plus au fusil à pompe. C'est pas très recommandé quand même la calache pour les bestioles. Faut du gros calibre. Forcément d'autres trucs. Une nouvelle note. Liste des courses. Tolik, si tu trouves la librairie, cherche ces titres. Guide du radio amateur 1970, la radio des abdos 1979, fabriquer votre propre radio 1955, comment construire un détecteur récepteur 1950, réception radio, récepteur AM élémentaire 1967, la radio en zone rurale 1963, la radio sur le terrain 1964. Rien de plus complexe que ça, on a pas de composants, de toute façon, on va devoir utiliser des mines de crayons et des boîtes de conserve.
C'est lequel celui-là? 2035. Ouais, je sais même pas quelle gueule il a, le 2035. C'est le seul que j'ai pas su. 2033, 2034, oui. 2035, non. Rien d'autre. Ok, on avance. Y a du sang là. Y a rien. Une lettre. Message de Shura. Huile végétale, 1 litre. Clava du bureau principal, ma bague. Sucre 2 kilos. Rosa Alexandrovna. C'est quoi ça? C'est bizarre, quoi. Bizarre ce message. On dirait une liste de courses, mais pas que. Oh putain, une meute. Encore dire voilà. Ah, sans le pompe, là, ça va être casse-couille. Pourquoi il dit ça? Ouais, parce qu'il y a des... y a pas que des gens là. Peut-être des nosalis. Souffler sur la gueule, peut-être. Ok. Je pensais qu'on allait passer discrètement, mais elle est passée beaucoup trop vite. Moi, j'étais en train de fouiller. C'est un peu con. C'est un peu con parce que je voulais la jouer discret quand même, mais bon, ça va que j'ai quand même pris un peu cher quand même. Peut pas trop falloir que ça se renouvelle ça. Parce que là on gaspille des balles et on prend des dégâts pour rien, alors qu'on pourrait juste les laisser passer. Pas besoin de les affronter. Hein. Je sais pas où elle est pas. Elle est là. Je me demandais où c'est qu'elle était partie. Ça va, personne n'y suit. Pas trop crâne. Hein. Tu devrais recharger ton arme. Elle est vide. Cela envoie à travers son chargeur. On voit très bien qu'il arrive. Artyom, tu penses que quoi? C'est pas moi qui délire, hein? De quoi?
quoi, les démons? Ah, le train! Ça c'est con. Eh oui. Comme si ça allait être aussi simple. Je crois pas, non. J'ai plus rien. On m'a volé tout mon matos. Évidemment. Batterie faible. Attends, je vais juste changer la manette et j'enlève. Alors, comment on désactive la manette? Hop, éteindre. Thank you.
la manette. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là. Hop. Reprendre. Ok. C'est bon. Qu'il y a quelque chose genre un couteau ou enfin un truc parce que ouais le coup de poing là le train qui repasse. Je croyais que c'était des douilles, mais non, ça doit pas être des douilles. Ah bah tiens, ouais, le train il est là. Bah, il me faut une arme là. Je me sens tout nu sans une arme. Hop là! Que j'ai une lampe. Mon avis, non. Quoique si, je dois l'avoir. Pas besoin de... Voilà, comme ça, on cache pas les filtres. Ah, j'ai pas de lumière, c'est ça. Bah, pour le marteau, le marteau, c'est une arme. Pas prendre le marteau. C'est pas grave. C'est quoi ça? Ouais, c'est fermé. On va passer par l'échelle. Là, je sors par là, je me fais re... Là, je sors par l'autre côté, je me fais repérer, je me fais tirer comme un lapin. C'est bien parce que cette montre, elle est pratique parce que... Elle te dit quand il y a une lumière bleue, c'est que t'es repérable. Ces espions. Mais en fait, Hansa, en fait, c'est comme. C'est la ligne rouge, en fait. Hein. Eux, ils croient qu'il y a des espions partout. Alors que normalement, Hansa, c'est censé être un pays neutre. Enfin, ils sont censés être neutres. Hein. Mais bon. Toute façon, même s'ils étaient pas de la ligne rouge, c'est pareil. Parce que. Si les gens ils savent qu'il y a de la vie en dehors du métro, c'est des marchands de base donc c'est pas bon pour les affaires. C'est pas bon pour les affaires ça. Ouais, pour buter tout le monde. J'ai une grosse soif de violence.
Y'a rien là. Je vais faire un massacre. Enfin, si je peux. Si je peux pas, bon. Mikalic. Ouais, c'est un ouvrier, donc on va pas le tuer. Par contre, les soldats. Les soldats, par contre, je garantis pas qu'ils vont ressortir. En dehors que les pieds devant. Ah oui, c'est lui là-bas, je l'avais pas vu. Bah, dépêche-toi alors! C'est bon? Oh, toi. Con, sérieux. Oh, herbe silencieuse. Non, c'est pas à moi, mais maintenant oui.
Laisse-moi rentrer dans le local, il y a peut-être encore des trucs. Laisse-moi fouiller! J'ai autre chose. Bon, j'ai des canettes. Bon, je peux faire diversion avec ça, mais. Quelque chose là? Des balles? Des filtres? Je vais faire un massacre. Ils vont tous mourir. Ça mérite pas de vivre, ça. Je les zigouille et puis c'est bon. Allez! Un tableau électrique là pour tout couper parce que là ça va me gêner. C'est quoi ça? Oh, couteau de lancer. Ça me fait repérer ça. Ah si, il en avait une. Saligo. Bien sûr qu'il en avait une. C'était deux, là, y en a un, il est parti, je sais pas où là.
pour ça qu'il y aurait quelque chose, mais non, il n'y a rien. Ok. Putain, j'aimerais bien faire un gros massacre, hein, mais... Pas prendre de risque non plus, quoi. Bien joué, tu es presque arrivé au hangar. La suite va être facile. Alors qu'il y a personne, je crois, en haut. Sur les tours. Je pense qu'il y a personne, donc... À la rigueur. Voilà. C'est l'heure de faire un massacre. Apparemment, je suis plein avec le... Avec le fusil d'assaut. T'es armé toi ou pas? T'es armé, je te tue. T'as pas l'air armé. T'as l'air un peu con, mais... Ah, si, t'as une arme. Ok. Ah, fallait pas être armé. Bon, mais ça c'est fait. Bien joué, Artyom. On est à l'intérieur. Tu peux enlever ton masque, Artyom. Ok. Maintenant, il faut qu'on retrouve Yarmak. Comment on l'enlève? Comme ça? Ça, ils disent pas ça qu'il faut maintenir. Pas récupérer les pièces. Il me semble qu'on peut les... Non, pas ça. Carnage, parce que là j'ai plein de balles à utiliser là. Ah, une nouvelle note. Ah, apparemment il y a deux trucs que j'ai loupé. À tous les membres de la garde spéciale du projet Bouclier, ces dernières années nous avons observé une nette augmentation du nombre de tentatives d'intrusion de la part d'espions et agents ennemis aux caractéristiques jusqu'ici peu courantes. Femmes, personnes âgées, adolescents. Cela prouve sans doute l'efficacité des défenses mises en place par la garde spéciale puisqu'elle ne laisse aucune chance à l'ennemi d'atteindre ses objectifs, cartographie notre périmètre et le saboter. En employant les méthodes habituelles. Pour cette raison, tous les membres de la garde spéciale doivent effectuer leurs devoirs de façon responsable et ne jamais manquer d'appliquer les mesures nécessaires à l'encontre de tous les agents ennemis capturés. N'oubliez pas que l'ennemi est ingénieux et sournois et assez désespéré pour envoyer ses dernières forces au combat. Néanmoins, ses ressources sont encore moins importantes, mais une bête acculée n'en est que plus dangereuse. Le conseil de défense. Il y a deux trucs que j'ai loupés, apparemment. Et pourtant, je fouille bien partout. C'est à se demander. Il y avait plein d'autres trucs là. Non. Oh bah, apparemment, non. On peut lancer encore.
Consortium. Ils ont eu Yermak. Il faut qu'on se rapproche. Ouais, il faut que je coupe la lumière. Je vais faire diversion pendant que tu sauves le vieux. Artyom, essaie de descendre par cette échelle, mais sois prudent. Ils savent que je suis là, apparemment. Repéré, je te couvre. Allez, un en moins. C'est parti. Ouais. J'étais un peu tiré dessus, mec, d'abord. J'étais un petit peu tué. Mais bon, c'est pas grave. J'étais un petit peu dessus, quand même, mais bon. Avancer discrètement. Pas besoin de jouer les héros pour changer. Attendons qu'ils s'en aillent. La voie est libre. En haut, ça. Laisse-moi m'amuser un peu.
Y'a pas autre chose à ramasser, je sais pas. Non, là non. Fait le tour par là. L'escalier. Il est de l'autre côté, je crois. J'arrive, j'arrive. Apparemment, il y a l'air d'avoir rien du tout ici. Donc, plus qu'à continuer. Hop. Alors, c'est ça qu'il faut tourner.
Oula. Ah bah. Ouais, alors arrêtez vos conneries, Melnik. Y'a nulle part où aller. Vous connaissez pas le coin, nous aussi. On pensait pas aller bien loin. Juste s'éloigner un peu, en attendant que l'agitation retombe. Et vous avez ouvert le feu. Vous nous laissez libres si on s'arrête. D'après vous mettre aux arrêts. Ils vous ramener pour votre procès.
comprenez bien de quoi vous êtes accusé? Désertion, trahison. Vous vous foutez de moi? Moi, un traître? Ça vous étonne? Vous allez où avec ce train, hein? Vous faites une petite balade, peut-être? Non, je ne vois qu'une seule possibilité. Vous avez été acheté et vous filez en soin de vos maîtres. Alors le truc qui a déjà été prononcé? On n'aura même pas droit à un procès. C'est des communistes aussi, Hanza. Putain. Putain de communiste. Des blancs, trahison. On vous a obéi pendant des années, sans poser de questions. On a versé notre sang pour la cause. Ils nous ont détruits, c'est vous? J'ai été soldat toute ma vie. J'ai consacré mon existence à mon peuple. Hors de question qu'ils vivent. C'est pas question que je fasse. Alors, les sales traîtres comme ça, faut les crever. Ça manquera à personne, ça. Merde, je l'ai tué alors qu'il se rendait. Ouais. Tant pis. Alors, lettre officielle. Communauté des stations de la ligne circulaire, trésorerie. Destinataire, lieutenant-colonel Tom Mann, force... commandant des forces spéciales mobiles. Colonel, j'ai confirmé le versement d'urgence de 6000 munitions militaires de 762 sous forme de 200 bandes, comme vous l'avez demandé via le formulaire de réquisition 76435, mais je me dois de vous rappeler à quelles conséquences immédiates vous vous exposez si jamais cette transaction ne donne pas lieu à un succès retentissant. Si vos opérations n'ont jusqu'ici suscité que des éloges en raison de leur réussite constante, elles n'en restent pas moins extrêmement lourdes pour notre budget. Le versement dont il est question ici est fait à crédit et uniquement permis en raison de vos exploits passés qui nous incitent à vous faire confiance et sera étudié de très près lors de la prochaine réunion du conseil. J'espère que vous êtes conscient que cette fois-ci vous devez absolument vous assurer que le retour sur investissement soit satisfaisant. Ils savent pas qu'on est là, on en profite. Yermak, prépare-toi à freiner. Attends. Maintenant. Artyom, grouille, ça commence à chauffer. Dessus là.
c'est... Bah ouais, mais y'a quelqu'un qui me tire dessus là, je sais pas. Ah, peut-être en haut. Putain, au juger, c'est de la merde cette arme. Ah mais c'est lent, la visée est lente, putain. Ah c'est pas nerveux la visée. Tu sais, j'aime mieux me foutre là. Merde! Eh mais à peine je tire, l'autre il me fout 3 rafales là. Putain! C'est abusé là! Ça par contre c'est très con de foutre un point de contrôle comme ça. Ça c'est très con. Ça se ramasse pas ça? Apparemment non. Putain. Pourtant des balles en mode de guerre comme ça là, putain moi je laisserai pas passer. Ça moi je repars avec hein. Ouais, t'as intérêt à sauter mon gars parce que là... Ouais, va falloir mettre la gomme là. D'accord. C'est quand j'ai déjà loupé des trucs. Nous sommes arrêtés à une centaine de kilomètres de Moscou pour consulter nos compteurs GGR. Le fait est qu'ils sont tous dans le vert.
comme s'il faisait partie d'un complot. Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent. Et moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Je vais juste vérifier un truc. Carnet. Apparemment, il y a un truc que j'ai loupé. Encore. Il y a trois collectibles que j'ai loupés. Et deux cartes postales, apparemment. Bon. Ça, je le ferai en off. On est à un carrefour, si on peut dire. Et on peut pas s'empêcher de se demander. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attends. Et là, ce qui est bien en plus, c'est que c'est même pas les entrées de journal. Là. Donc là, c'est pas grave si je les lis pas, donc. Oui, il est dans le verre, aucun doute. Celui de Stéphane aussi, pas besoin de masque ici. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Comment ils peuvent tirer sur toi alors que tu es le commandant de l'ordre? Tu nous dois un minimum d'explication. C'était qu'une façade. Autant cracher le morceau tout de suite. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour garantir le silence radio, le système bouclier a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt? Par exemple, avant qu'Archer sorte avec sa radio et se presse toutes ses radiations? Non! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée du maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche les transmissions émanant de l'arche. L'arche. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu les gardes, détruit un train de patrouille, et on a fui Moscou. Pas besoin de procès quand l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner maintenant. En d'autres termes, il faut qu'on continue à avancer. Le commandement? Mais de quoi est-ce que tu parles? Le commandement de la défense moscovite. T'as déjà entendu parler des gardiens invisibles? Bien sûr, mais ce n'est qu'une légende urbaine. Pas du tout. C'est eux, le commandement. Alex. Tu crois vraiment qu'ils se soucient d'autre chose que de protéger leurs fesses? Tu as parlé d'une arche. De quoi il s'agit? Si jamais Artyom trouve leur signal, tu comprendras tout de suite. Sinon... c'est qu'il n'y a rien à dire. Tu t'imagines que trouver cette arche dont tu parles, ça va tout arranger? Non, je crois pas. Mais si tu as une meilleure idée, vas-y, je t'en prie. Oui, j'en ai une. Trouver un endroit sain où les habitants de Moscou pourront vivre. Comme Artyom l'a toujours voulu. Tous les balancier à l'ennemi? En plein, une bonne idée. Moi, je propose qu'on règle d'abord nos problèmes avant de voler à la rescousse de tout Moscou. D'accord? Qu'est-ce que ça donne, Artyom? Tu trouves quelque chose? Il y a tout un monde là-dehors. Un monde où on pourrait vivre. Pour l'instant, on est sûr que d'une seule chose. Les niveaux de radiation sont plutôt faibles. L'air est respirable, mais la pluie, par contre... Et alors? On pouvait même pas respirer à Moscou.
Et alors, il y a des habitants par ici? On n'en sait rien. Comment ils vont nous recevoir? Ça, j'en sais rien non plus. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils apprenaient qu'il y a des survivants à Moscou? Là encore, aucune idée. Ah, continue à chercher, Arkham. Il y a forcément un signal. Ouais, surtout que je cherche pas encore. Je cherche pas encore. On nous a menti pendant 20 ans. On sait aussi qu'il tue des gens. Les dommages collatéraux sont inévitables lors d'opérations top secrètes de cette envergure. Oui, des gens sont morts, mais les bombardements en ont fait des dizaines de millions. Et pourtant, on est en vie. On a survécu pendant toutes ces années. Artyom a failli se faire tuer. Lui aussi, c'est un dommage collatéral. Tu sais quoi? Oui. Si tu dois faire un choix entre sauver la vie d'un seul homme, même si c'est très cher, et sauver la vie de milliers d'autres personnes, tous les habitants du métro, alors là, la question ne se pose même pas. Ça avance ses recherches, Artyom. Allez, fais ton mieux. Tu dirais la même chose s'il s'agissait de moi? S'il s'agissait de moi aussi. J'ai dédié ma vie entière à la protection des habitants du métro. Tu comprends? Ma vie entière. Et je n'hésiterai pas une seule seconde. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer de la survie du métro. Ils me battraient à vue si je décidais de retourner maintenant. Mais ça n'a aucune importance. Trop de vies sont en jeu. Trop de vies ont déjà été sacrifiées pour hésiter un seul instant. Trop de vies. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Je veux dire, il faut qu'on prenne une décision. Comment ça va finir pour nous tous si on commence à se mentir et à s'engueuler? On doit faire mieux que ça. Tu me demandes comment ça va finir? Ben, je vais te le dire. Tout dépend d'Artyom à présent. S'il parvient à trouver la fréquence, s'ils sont vivants. Tu as trouvé Artyom? Allez, cherche. Ils sont forcément là. Ça y est, ça a fini de parler. Toujours rien, Artyom. Le signal est forcément là, quelque part. J'en supplie, cherche encore. Ça avance, ses recherches, Artyom. Allez, fais ton mieux. Des machines, les meilleurs experts. C'est le QG du commandant en chef. Tous les dirigeants du pays s'y trouvent. Ils ont même déjà commencé à tout réhabiliter. On va leur dire que Moscou a tenu bon. On n'a pas fait tout ça en vain. Tout va changer maintenant. Tout, vous comprenez? Une nouvelle vie commence pour tous les survivants de la planète. En fait, il y a des femmes célibataires dans cet endroit. Excellente réaction. Alors, je crois que quelque chose s'impose. Envoie la sauce, Tamir. Envoyez quelle sauce, colonel? Ce truc que j'entends clapoter dans ta gourde. Dis donc, tu crois que je suis sourd ou quoi? Ah, ça, pendant un instant, j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. L'oral, c'est pas la porte à côté. Hein. Alors, autant se mettre à l'aise, hein? Vous croyez pas? Il faudrait qu'on bâtisse ce tas de ferraille au moins, non? Il est plus que temps, oui. Appelons-le Anna, ça ira bien. Allez, quoi? Pourquoi pas, l'Aurora? Commodore, la déesse romaine de l'aube, et aussi le croiseur de... Vous savez, quoi? Beaucoup.
C'est joli, oui, mais le croiseur de quoi? Ah, je t'expliquerai plus tard. On dirait que c'est décidé. Du bon à l'or. Thank you.
Hey. Est-ce que c'est bon cette fois? Ça parle beaucoup. Je me rappelais pas que ça parlait autant. Merde, t'es en train de parler. Putain, je l'ai interrompu.
Alors. C'est quoi ça? Carnet. Ça, c'est ce que, ouais, c'est le résumé de quand on change de chapitre. C'est le petit résumé d'Artium. Équipage, ouais, des fiches sur les personnages. Tokarev, c'est qui Tokarev? Je me rappelle pas lui. Je l'ai. Une petite veillette, j'ai pas fait gaffe. Fédien Cash. Hamza est pourri. Hurleur, démon, les chiens. On n'a pas croisé de nos alliés encore. Peut-être qu'on verra peut-être pas. Protège bras, briquet, tonne de spartiate. La cadage funestus. Ouais, comment ça se fait que c'est passé à 3 cartes, 3 chevrotines maintenant dans le barillet? Comme le revolver. Alors qu'avant c'était 6. Ok. Ouais, un petit coup. Allez. Cul sec. Alors la radio. Déjà, il parle pas de nous, déjà, parce que deux véhicules, on n'est qu'un véhicule, donc. Ouais, mais attends. On se demande qui. Il va être content de ce qu'il va entendre. Ah, il dit rien. C'est même pas drôle.
Ouais, c'est sur ça. C'est quoi ça? Rapport d'inspection. Responsable du chemin de fer du projet Bouclier. Attends, mais ouais, non, c'est pas ça. Rapport d'inspection sur l'état du chemin de fer. Après inspection de l'état du chemin de fer selon vos ordres, je vous informe qu'au-delà du périmètre de défense, le chemin de fer est dans un état allant d'acceptable à bon et représente de ce fait une menace à notre sécurité, offrant à l'ennemi un moyen pratique pour convoyer et ravitailler ses agents. A l'inverse, dans l'ensemble du périmètre de défense, le chemin de fer est dans un état qui n'a plus rien d'acceptable, ce qui pourrait conduire à court terme à l'arrêt complet de la circulation des trains sur les lignes les plus utilisées. Cela mettrait en péril la défense de Moscou en coupant nos lignes d'approvisionnement et de transport des renforts. Étant donné ce qui précède, je demande par la présente que toutes les équipes de maintenance disponibles soient affectées à la réparation des parties les plus endommagées des lignes essentielles en utilisant les rails et traverses des lignes situées à plus de 101 km du centre de Moscou, ce qui permettra également d'empêcher l'ennemi d'utiliser les voies menant en vide. Hello! Pas très bavard, toi. Ah bah oui, c'est lui, toi, carrément. Allez, fais voir. Il en fout à côté. C'est pas à côté qu'il faut mettre assez dedans. Hein. Je sais pas si il va me dire que c'est bon. Je sais pas. Je pense que ça va aller là parce que
Sinon, j'ai pas fini. Allez, encore une fois et après j'arrête. Comment ça, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Non, mais j'ai déjà fait assez souvent là, moi je trouve. De toute façon, quoi qu'il arrive, à me dire c'est tout. Tu vois, je te fous tout le charbon, tu vois, la chaudière, elle va péter. Elle va exploser. il est pas causant, l'autre Joker. Il est pas causant du tout même. Eh ouais. Toi t'es pas bavard. Il est rentré ça? Ça parle trop. Après toutes ces années passées sous terre, l'air de la surface semblait incroyablement frais, enivrant. Mais l'équipage était euphorique pour une autre raison. Le message reçu du bunker du gouvernement dans l'Oural scellait le véritable but de notre voyage. 20 ans durant,
on a cru que ni le gouvernement ni le haut commandement n'avaient survécu. Il s'avère qu'ils sont toujours en place. Où étaient-ils alors qu'on s'entretuait tous dans le métro? On aura beaucoup de questions à leur poser quand on arrivera à Yamantau, si on y arrive. D'après Melnik, les ruines de notre pays sont contrôlées par l'ennemi, et il faudra se battre pour parvenir à notre objectif. Une équipe réduite contre les forces d'occupation. Quelles sont nos chances d'y arriver? Et d'obtenir toutes nos réponses? On est à combien de kilomètres? C'est pas marqué. Il y a un feu là-bas là. Non? Ouais. Il y a une lumière là. Ouais. 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 Bah ça sert à rien, ils sont déjà partis là. Oh, apparemment on est à mi-chemin, je crois qu'il y a marqué 700 km.
quelques matériaux. Ah, le sac à dos. Bah non, je finis de fouiller d'abord. Apparemment, il n'y avait rien. À part des matériaux. Lequel, celui-là? Celui-là? Ah, celui-là là-bas. Je me demande s'il n'y a pas des crevettes là. Ça m'étonnerait même pas. Oh, une nouvelle arme? Où c'est quelle? Ah, bah, elle est là. Y a une barque près du quai. Ramène-toi dès que tu peux. Ok. Bah, je vais garder ma calache parce que je pense qu'elle est quand même mieux. Je pense que là on a tout vu, je pense. Je vais aller voir par là, mais. Peut-être besoin de charger. Non, ça va. La batterie est quasi pleine. Ok. Je passe apparemment. Attends. Je finis de fouiller la pièce déjà. Qu'est-ce qu'on a en haut? Encore une boîte vide. Ok. Bon, y a rien. Bon. Là, il doit bien y avoir quelque chose. Non. Apparemment non.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Champignons. Cadavre. Corps. Des matériaux. Je sais pas si on peut voir la jauge de durabilité ici, à partir d'ici. Je crois que ouais. Si j'ouvre le sac à dos. On voit bien qu'elle est crade l'arme. On voit bien qu'elle est crade. Bah merde. Ok. Encore cette arme. Ah mais c'est du 9 mm, enfin c'est de la balle de revolver que ça utilise comme munition. Fait le tour. Alors, c'est quoi cet... Ah bah c'est, je suis con, ouais, c'est l'église. Le point d'intérêt. Donc, attends, il y a un truc marqué là. C'est marqué quoi? Pas marqué. Ok. Oula, c'est immergé là, donc laisse tomber. Je pense que c'est bon, on peut y aller là. Utiliser R2 pour avancer et L2 pour reculer, j'imagine. Des crevettes. Bon chier ces crevettes. Le drapeau rouge, faut être des points d'arrêt. Avec des trucs intéressants, j'imagine. J'espère. Ça fait beaucoup de bouteilles. Ah mais d'accord, ouais. Ils comptaient faire leur propre alcool, ok.
Avec l'alambic, tout ça là. De toute façon, je peux rien fabriquer pour l'instant, si. Je peux fabriquer des trucs, ça y est. Ah ouais. Des filtres. Ou Medipack. Mais non, pour l'instant, non, j'ai besoin de rien. Je suis bien là pour l'instant, donc... Je vais aller voir cette baraque aussi. Il y a peut-être des trucs là, mais. Quoique. Je sais pas trop. Elles sont toutes à moitié immergées. Oh merde! Ah oui. Tenter une approche directe. On attend avant de tirer, compris? Bah, arrête de sonner la cloche, je compte pas venir pour l'instant là. Je compte pas spécialement venir. Relou là. Pour la calache, je vais laisser la calache là. Pas spécialement besoin. J'imagine qu'il a pas d'accessoires disponibles pour l'instant ce truc. C'est quoi, c'est le H-shot ça, non? J'aime pas cette arme. Je l'aime pas parce que c'est un... C'est une arme de chasse, ça. C'est une arme de chasse typique, c'est... Une balle par... Par chargeur, quoi. C'est à chaque tir, faut recharger. Typique des armes de chasse, ça. Pour chasser ça va, mais pour se défendre, si on se fait entourer par 3-4 mutants, je fais pas long feu. Tac. Mais bon, Métro, c'est comme The Witcher, il faut une arme pour les humains et une arme pour les monstres. Oui, non, je suis con. La barque est plus loin. C'est assez chiant le bruit de la cloche là. J'aimerais bien y aller, mais bon. J'ai mieux à faire pour l'instant. Tu veux pas monter? Ça, par contre, c'est un problème. Ah. Plus maintenant. Ça ou pas? Un peu un petit cadavre qui traîne, rien. Oh bon. Bah écoute. Alors les maisons en ruine, c'est bon, on a fait le tour. Normalement. Celle-là, on les a pas fait. On le fera plus tard. Celle-là, l'autre m'agace avec son clocher, donc. Je vais aller voir tout de suite.
Ouais, bah c'est bon, j'arrive. C'est par là l'entrée? C'est pour ça que vous nous avez tiré dessus. Vous êtes sûr de vouloir me piéger? Non, parce que je suis quand même armé, quoi. Ils sont complètement barges. J'en connais qui va faire un gros dodo. Et ça, c'est à moi. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre.
Voilà. Toi, tu vas prendre une quiche, toi. Je vais t'apprendre, oui. Avec plaisir. Non? Oh, dommage. Putain, je croyais qu'il y avait un mec. Bizarre, oui. Il y a des pièges là, putain. Bon, c'est que des pièges sonores donc. Putain, je doute que les mecs ils aient accès avec des explosifs. Hein. Ça va être une ville de pêcheurs donc. Il y a quelqu'un de pendu quand même là-bas. Qui a failli me voir là. Il y a quelqu'un là? Ça c'est pour se barrer, mais non, moi, je vais assommer tout le monde d'abord. J'ai envie de faire le ménage. Oup. Vous avez rien vu? Je ne suis pas là. C'est vrai que je pourrais tout simplement me barrer comme ça, hein, comme. Mais bon, non. Non, non, non. Des têtes vont tomber. Pas mortellement, mais... Bla bla bla. Y'a rien? Non.
J'en vois au moins deux. Ils vont me voir. Je vais faire une sauvegarde. Sauvegarde rapide. Là, ils se doutent bien que je suis là maintenant. Putain. Oh, mais là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui me coinçait, mais je sais même pas quoi. Mais bon. C'est pas grave. Bon, par contre, faut que je récupère mes boîtes. Autre qui doit être pas loin là. Et ouais. Ah. Voilà, c'est bon. Impec. Putain, mais qu'est-ce qui coince comme ça? Putain, c'est fou ça. Je crois qu'il n'y a plus personne en bas. Enfin, je vais quand même aller revérifier, mais... C'est quoi cette porte?
Est-ce qu'on peut traverser d'ici? Non, il faut monter. Il faut monter pour traverser. Merde. Va falloir que je monte. Bah ouais, mais... Oh là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Je pouvais rien faire. Je pouvais pas l'assommer. Ouh... Ça, c'est pas bon, ça. Voilà, merci. Ah, j'ai pas compris là pourquoi ça a pas marché. C'est un peu bugué, hein. Par moment. Ils sont combien encore? J'en vois encore au moins deux. Attends, je vais m'occuper de ceux d'en bas, s'il en reste. Qu'est-ce qui m'empêche de passer encore? Putain. Ça devient chiant là. Fait que on se bloque comme ça comme... Putain, par un élément de décor de merde. Ça devient légèrement agaçant. J'avais lancé par là la canette, je crois. Ah, j'en vois deux là, au moins. Je vais voir si en haut c'est pas plus sûr. Il y a une porte là?
Est-ce que ceux qui sont les deux d'en bas sont ceux des deux en haut? Non. Ils savent que je suis là, c'est ça? Ça m'étonne que je retrouve pas ma boîte de conserve quand même. C'est quand même étonnant. Tout c'est de savoir par où ils sont partis. Est-ce qu'ils sont remontés? C'est un peu risqué parce que là, on peut me voir là. Oula. Ok. Bon, lui qui ne tue pas. Il n'a pas l'air si assoiffé de ça. Peut-être qu'il va m'épargner. Ouais. Tu vas juste faire un gros dodo. Et je vais te faire les poches. Ah, il en restait encore, hein. Il en restait trois encore. C'est bien que ça se finisse comme ça, là. Ils m'ont repéré, mais... ils ont vite compris que si je commence à ouvrir le feu, ils étaient finis là. Et j'ai pas envie de les tuer. Là, c'est pas vrai, c'est pas des bandits ça. C'est pas des bandits ça donc. C'est juste des gens zinzins mais bon. J'en connais un qui va avoir très mal à la tête en se réveillant. Voilà. Voilà, tout le monde fait un gros dodo. Il en restait que 3. Hein. J'étais prêt à tous les avoir là, mais. Et ça c'est cool ça de voir que. Que l'ordinateur, quand même, il. Il apprend quand même. Il apprend. Il comprend que là, il était foutu. Là. À 3 contre 1. Leur chance de succès était mince.
Allez, je vous rallume la torche parce que vous êtes gentil. Voilà. Là, il n'y avait rien. Je crois qu'on a tout vu. Hein. Il s'est tué, lui, du coup, ou pas? Allez, on prend la barque. Ok. Je peux t'arrêter. Je retourne à l'Aurora et j'arrête. Je sens qu'ils vont me faire chier les crevettes. Tout va bien? Parfait. Je commençais à m'inquiéter. T'as semé une sacrée pagaille. Ok. Artyom, Katia et Ouais, mais personne n'est mort. avec moi. On se retrouve sur l'Aurora. Regarde ta carte. Je crois que tu peux y arriver directement à la rame d'où tu es. Non, c'est ça qu'il faut. Voilà, ça c'est mieux. Tiens. Allez, on se casse. Avant qu'il y en ait d'autres. Ça c'est pas une crevette, hein. C'était quoi ce machin? Bon, pas aussi gros, mais... Ouais, j'avoue que... Attends. Oh, double canon. C'est qui? Je sais pas s'il nous voit d'ici là. Bon, ben à plus tard. Ah, il y a un point d'intérêt, c'est l'avion.
C'est qui ça? C'est un membre de leur communauté? Ils sont morts de quoi? C'est bizarre quand même comment ils sont morts. C'est quoi ça? J'ai trouvé une amélioration pour votre équipement. Ah. Putain. J'ai beaucoup de munitions de... Ouais, je suis plein. J'aurais dû m'en douter. Je pense par contre en... En fusil de chasse, je suis pas plein. Donc, exceptionnellement, je vais prendre la calache et le revolver. Exceptionnellement. Parce qu'il me faut quand même une arme silencieuse quand même. Ah quoi, je peux y mettre voilà, la crosse. Attends. Ah. Je vais voir. Ça s'adapte pas dessus le. Ok. Je vais mettre une mise en réflexe sur. Ouais, mettre le sniper sur le revolver. Comme ça, je pourrais tirer de plus loin. C'est moi qui fais. Je crois que c'était à côté. Mais non, c'est dans le jeu. Rien à ramasser là? Non. Ouais, il faut que je repasse à la base. C'est quoi tout ça? C'est des pitons. Rien d'utile, j'imagine. C'est rempli de bestioles le coin. Et j'entends des coups de feu.
j'ai trouvé une nouvelle note. J'ai trouvé une nouvelle note apparemment. C'est quoi? Un registre moisi. C'est long. Ouais. Ouais, je vais finir sur ce message. Alors. Attends, faut juste que je remette temps, voilà. 12 juillet 2028. Un atterrissage est réussi tant qu'on peut repartir à pied, mais dans mon cas, c'était limite. Ça aurait pu être pire, les trois autres ne peuvent pas bouger du tout. Shura et Nick s'en sont tirés avec quelques bleus. Nick m'a fait une attelle et a remis ma jambe en place. Ça fait un mal de chien. 13 juillet 2028. On est dans la merde. Il y a des marécages tout autour, impossible de rejoindre à pied le village que Shura a aperçu, pas sans les exploser pour trouver un itinéraire sûr. Les explorer, pardon. Pour trouver un itinéraire sûr. On va s'installer ici pour le moment. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à installer un campement et à y rassembler tout le monde. La mauvaise, c'est que le réservoir de l'avion a une fuite et il va falloir se dépêcher de récupérer nos affaires avant que tout parte en fumée. Un bon point inattendu, il n'y a pas de moustiques ici. C'est assez bizarre d'ailleurs. 14 juillet 2028, il y a d'autres créatures. Elles ont laissé des traces dans la boue cette nuit. Ça ne ressemble à rien à ce qu'on connaît. Heureusement qu'on a des armes. Qui sait ce que sont ces choses? Il vaudrait mieux qu'on ait du courant au cas où elles sortent la nuit. Je me demande si on pourrait faire tourner le générateur de l'avion avec le vélo qu'on avait dans la soute. 15 janvier 2028, mon dieu, ils ont eu Nick. Il est parti chercher le générateur et ils l'ont attaqué. D'énormes monstres gris-verts comme des mantes religieuses. Le fusil à pompe n'a servi à rien, Shura a tiré les deux coups, mais ils ont rebondi sur les créatures. Elles étaient parfaitement cachées, comme si elles savaient où l'attendre. Saloperie de monstre. Nick, on aurait mieux fait de rester chez nous. Ouais. C'est pas dit, je suis parti sur un 24 heures. Ouais, 16 janvier 2028, on a deux solutions. Tenter d'aller chercher de l'aide au village maintenant ou attendre d'avoir épuisé nos réserves pour y aller. On a le temps d'y réfléchir. Apparemment, les monstres ont peur du feu et n'approchent pas du campement tant qu'il est allumé. Shura dit que c'est à moi de décider vu que les autres sont à peine conscients. Comment peut-il rester aussi calme? Je ne me remets pas de ce qui est arrivé à Nick. Et cette fièvre. 17 juillet 2028. Shura est parti. Son message. Quel con. Pourvu qu'il arrive à rejoindre la terre ferme. 18 juillet 2028. Il rôde dans les parages la nuit en claquant des mandibules. Je ne peux pas dormir, il faut que j'entretienne le feu. Heureusement, Shura m'a laissé assez de bois. Les autres ne peuvent pas bouger du tout, mais ma fièvre s'est un peu calmée. 20 juillet 2028, j'en peux plus, impossible de dormir. J'essaierai de bouger demain, il me faut du bois. 21 juillet 2028, Shura, merde, fichu monstre. J'ai trouvé son sac à dos pas trop loin du campement. J'ai dû clopiner aussi vite que je pouvais pour revenir avant qu'il me voie. 22 juillet 2028, il rôde tout près, je les entends dans la boue à claquer des mâchoires. Ce bruit, j'en perds la boule. Les gars passent le plus clair de leur temps dans le coltard, ça les dérange pas tellement. Ma fièvre a repris. Je ne pense pas pouvoir tenir. 23 juillet 2028. Ce n'est pas si mal quand le feu crépite en fait. Ma fièvre empire. Je ne sais pas quel jour on est. Ma jambe est toute noire. J'ai du mal à écrire. J'ai aiguisé des bâtons et les donné aux gars. J'espère qu'ils arriveront à les tenir. Les monstres se rapprochent. J'en peux plus. 17 juillet 2028. Oh, c'est bizarre. Dis, bah, il fallait que j'essaie, tu sais bien. Je suis le seul qui puisse encore bouger. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous aider. Sinon, les gars sont foutus. Reste là et ne t'avise pas de faire des conneries. À bientôt. D'accord. Ah, donc ce fameux Shura était parti chercher de l'aide. Enfin. Est-ce qu'il a réussi? J'ai l'impression que non. Alors sur quoi ils tiraient là, parce que ils ont parlé d'ouvrir le feu. Oh, ce demi-tour qu'elle a fait.
Bon, attends, je fais une sauvegarde rapide, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bon, faudra que je vois si c'est possible de mettre plus gros la caméra. Sinon, ben, je vais laisser comme ça. Là, moi, c'est vrai que ça fait petit, donc j'imagine quand on met pas en plein écran, pour la rediff, on va pas avoir beaucoup ma tête, mais bon. Après, bon, c'est peut-être pas plus mal, mais bon. On verra. En tout cas, j'espère que le son a été nickel, en tout cas. J'espère, enfin, je regarde. Mais sinon, encore merci, merci d'être passé, en tout cas. Merci d'avoir regardé. Puis, ben, demain, est-ce qu'on continue? Enfin, est-ce qu'on fera un live demain? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais, ouais, enfin, je crois que je trouve pourquoi ça fait ça. Enfin, est-ce qu'il y a moyen de. Parce que moi, la caméra de PS4, au moins, on peut mettre plus gros, mais ça coupe pas le. Ça coupe pas la caméra. Enfin, bon, on verra. Ben, sur ce, encore merci. Bonne nuit, et puis ben, à la prochaine. Allez.